Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mardi 14 mars 2017, je vais vous montrer comment on installe Vivaldi, le navigateur web que j'utilise tous les jours, sur les distributions qui n'ont pas Vivaldi dans leur dépôt. Donc je vais vous montrer pour une distribution Debianesque, c'est-à-dire Linux Mint, mais ça fonctionne avec Ubuntu et Debian. Et je vous montrerai après sur Fedora également. Alors, si vous êtes sur Manjaro, Vivaldi est disponible dans les dépôts AUR. Si vous êtes sur Calculate Linux comme moi, c'est disponible dans les dépôts officiels. Et sinon, voilà, je vous montre comment Vivaldi s'installe sur les deux grandes distributions Deb et RPM. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc là, je démarre Linux Mint, mais bon, la manip de Linux Mint fonctionne aussi bien avec Linux Mint que Ubuntu, que Debian, puisque tout est basé sur la même chose. Donc, c'est vrai que d'habitude je fais mes tests vidéo avec une machine sur SSD, machine virtuelle sur SSD, bon là, c'est pas du SSD, ça se voit, c'est beaucoup plus lent. Donc, pour télécharger Vivaldi, c'est pas très compliqué. On ouvre le navigateur internet qu'on a sur notre système, et on tape Vivaldi. Et on va sur le site vivaldi.com. Là, on fait téléchargement gratuit pour Linux, et on se prend le paquet Deb. Donc là, je vais l'enregistrer. Voilà, c'est rapide. Et ensuite, il suffit d'aller donc dans téléchargement et de double-cliquer sur le paquet Deb. Donc là, le petit logiciel va calculer les dépendances. Voilà, toutes les dépendances sont satisfaites. On installe le paquet. Il nous demande notre mot de passe et l'installation se déroule. Voilà. Et normalement, Vivaldi sera installé. Voilà. Le paquet Vivaldi stable a été installé, fermé. Et voilà. Donc la version est installée. Donc si on lance maintenant Vivaldi, si on lance Vivaldi, donc il ne faut pas lancer Firefox, hop là, Vivaldi, voilà, Vivaldi se lance. Et donc, on a bien la version 1.7.735.46, stable pour Linux. Alors maintenant, comment s'assurer que les mises à jour fonctionnent automatiquement? C'est pas très compliqué. Il faut juste vérifier dans le gestionnaire de logiciels que, au moment où Vivaldi s'est installé, il est automatiquement initialisé le dépôt de mise à jour de Vivaldi. Donc là, dans le gestionnaire de logiciels, on va dans source de logiciels. Et là, dans dépôt supplémentaire, il faut vérifier que le dépôt est bien coché Vivaldi. Et donc voilà, en fait, il a ajouté cette ligne-là. Alors, hop, vous voyez pas, hop, on va virer le plein écran, hop, et on fait un petit coup de, alors, KDE, s'il veut bien. Je sais plus comment on fait. Pour zoomer, hop, excusez-moi, hop, non, ça marche pas, bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a ici le dépôt Vivaldi, donc deb repo.vivaldi.com/deb/stable/main, voilà. Donc dès qu'il y aura une mise à jour de Vivaldi, automatiquement, le gestionnaire de logiciels nous la proposera. Donc ça, c'est assez sympa. Maintenant, on va voir la même chose pour Fedora. Alors, hop, voilà. On va lancer Fedora. Alors, par contre, je m'excuse, mais
Fedora, c'est une version de développement. Une version de développement. Parce que je n'utilise que version de développement de Fedora en machine virtuelle. Mais le principe est tout à fait le même. Donc là, Fedora se charge. J'ai eu la super bonne idée de prendre la version GNOME. Donc on va télécharger pareil Vivaldi. Et on va vérifier que le dépôt s'est automatiquement ajouté aux sources de logiciels. Voilà. Alors, allez. Voilà, je sais pas si même GNOME va se lancer. En plus, on a un GNOME de développement. Tout est de développement, c'est super idéal pour une vidéo. Non, c'est bon. Donc là, je vous montre bien quand même qu'on est sur Fedora. Donc voilà, Fedora, bon, la future Fedora 27. Donc pour télécharger Vivaldi, eh ben, c'est pas très compliqué, on va faire comme sous Linux Mint, c'est-à-dire qu'on va lancer le navigateur qu'on a à notre dispo, ici Firefox, et on va aller sur vivaldi.com. Pareil, on télécharge. Là, ici, on prend la version RPM. Voilà, puisque RPM, c'est le système de paquets de Fedora. Ensuite, on ferme ça. Voilà, allez, ferme-moi ça. OK. Ensuite, donc on va fermer tout ça. Non, il veut pas, c'est pas grave, on s'en fout. Donc on lance le gestionnaire de fichiers. Ici dans téléchargement, on double-clique sur, sur Vivaldi Stable pour lancer l'installation qui va se faire via le GNOME logiciel. Le mastodonte GNOME logiciel. Voilà, donc Vivaldi stable, on installe, là on a le droit au traditionnel mot de passe, voilà, l'install est en cours, et normalement tout s'installe avec succès. Voilà. Donc je montre les installations avec les logiciels graphiques, pas en ligne de commande, tout simplement parce que on est en 2017, donc il faut quand même montrer que tout se passe bien en graphique et qu'il n'y a pas besoin de ligne de commande pour installer un logiciel. Voilà. Voilà. Donc l'application Vivaldi Stable est prête et si on la lance, eh ben, normalement Vivaldi apparaît. Et donc, on va rester dans... Oula. Voilà, donc Vivaldi est là. Toujours pareil, en version 1.7.735.46. Et donc, pour vérifier si Vivaldi se met à jour automatiquement, donc pour aller dans les sources de logiciels, c'est un peu compliqué avec GNOME logiciel, parce qu'en fait, pas très intuitif, il faut aller là, directement là, vous faites un clic normal, source de logiciel. Et dans les sources de logiciels, on voit ici que on a le dépôt Vivaldi supplémentaire qui a été ajouté. Voilà. Donc forcément, quand on aura une mise à jour, il va synchroniser automatiquement Vivaldi en même temps. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur Vivaldi vous aura plu. Enfin, l'installation de Vivaldi sur
une distribution Red Hat et une, enfin RPM et une distribution Debian. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.